there is something new for Dear English Speakers. To have the English subtitles, now you just have to activate the closed caption down here or up here if you're on a phone. Donc là, je viens de réinstaller deux coulisseaux qui avaient cassé sur le rail. Donc ce qui s'était passé là-bas, c'est qu'on avait deux coulisseaux qui avaient pété. Un là-bas qui s'est pété, l'autre ça a tiré sur l'autre, il s'est cassé aussi. Et c'est pour ça que la grand-voile s'est déchirée après, parce que du coup ça faisait une bulle et ça tirait vachement plus sur les autres. Donc là, j'ai retiré une partie coulisseau pour pouvoir enlever ceux qui étaient cassés et mettre des neufs. Là, du coup, j'ai raccroché tous les coulisseaux avec des zip ties parce que du coup, on n'a pas de sangle et pas le bon truc de couture. Donc voilà. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Et ça tiendra très bien parce que là, ils sont costauds ceux-là. Donc là, on a un bon petit vent, donc on va profiter pour aller à une autre île qui est juste à 10 miles, donc il est 2h30 et on part. J'avais envie de vous partager de cette vieille citation. La mer prend. Il décide si elle redonne ou pas. Parfois, elle nous garde des objets qui tombent à l'eau par mégarde. Elle ne les rend pas. Parfois aussi, elle garde des choses que l'on a presque, mais qu'on aimerait réussir à garder. Et parfois, elle a juste décidé que ces cadeaux seraient quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours. Donc là, le capitaine est un pro à chaque fois de passer dans des endroits qu'on risque un petit peu. Qu'on risque notre vie. Donc ici, il paraît que ça passe. Bah, est-ce que tu es confiant que ça passe? Bah si, on s'échoue, la marée est montante, donc c'est des grosses marées, donc c'est pas grave, on pourra ressortir. Ah non, mais c'est pas une blague, je suis sérieux. Dis que c'est une blague. Moi, c'est une blague. On va pas s'échouer, ça passe. Ah merde. Attention. Passe. Échouage imminent. On voit la petite zone plus claire juste ici, là. 9.3, 9.2, 9, 8.8. Bon, ça y est, ça va remonter. 8.7, 8.6, 8.5. Moi, juste, ça descend pas plus vite. 8.4. Et voilà, c'est terminé. Ça descend 8.4. Pas. Ça remonte maintenant. 8, 5, ouf. Ok, paradis. Alors, on vire. Ok, envoyé. Donnez-moi with the waves. Vas-y, le côté du tour. Là, ici, comme ça. Hop. C'est dans l'ancien symbole de l'autre. Allez, vas-y. Faire attention à cette voile. Toujours 3 tours. Allez. On va marquer le nom de notre nouveau Patreon sur le mur. Donc bienvenue à Jolan. Un grand merci à tous nos Patreons de nous soutenir. Donc là, mesdames et messieurs, nous étions censés faire juste une petite navigation de 10-15 000. Mais là, à cause du vent, on a fait un beau détour et là, ça fait 15 000 qu'on est parti. Et on a encore 8 000 à faire. Une douzaine, ouais. Je pense, ouais. Environ une douzaine. Puis là, le capitaine est parti se coucher. Il nous a dit, vous vous débrouillez pour arriver nuit. Parce qu'on va arriver nuit, c'est sûr. Donc ça va être intéressant à regarder. Là, on essaye de serrer au plus le vent qu'on peut pour faire des bords les plus beaux qu'on veut. Mais c'est pas facile. On ralentit le bateau, vas-y, choc. Mais toujours, voilà. Attention. Quand tu fais ça, assure-toi vraiment que tu le tiens parce que ça, c'est un coup à se. Tu peux te coincer le doigt dans le winch. D'accord. Dans le truc. Donc là, tu laisses aller, toujours avec ton petit doigt en premier, ouais. Allez, regarde, le fil il est à 20 mètres, voilà. Le truc, ça a plongé. Non, mais on a une mauvaise nouvelle. Ça a cassé le fil. Le gros poisson est parti. Mais par contre. Ah, c'était pas un petit celui-là. Parce que c'était. Est-ce que tu penses que c'était un requin ou un gros thon, hein? Non, ça va être un thon, vu comment ça plongeait. Ouais, ça... Allumer la lumière pour que les pêcheurs nous voient. Parce que du coup, notre... Je sais pas, on sait pas si le fait de maille marche et la petite loupiote sur l'artimon éclaire pas fort. Donc, une grosse lumière pour être sûr qu'ils nous voient, quoi. Mais là, il y a plein de pêcheurs autour, puis ils ont l'air plus proches que ce qu'ils sont. Ils ont l'air plus proches en réalité de ce qu'ils ont l'air. C'est ça. T'es un peu stressé ou pas? J'espère juste qu'ils ont pas défilé entre leurs bateaux, hein. C'est accroché? Ça souffle là? Bon matin tout le monde! Donc là on est à petite île de. Joe me l'a dit 3 fois aujourd'hui, mais j'ai oublié, il faut que je le voie, je suis visuelle. Donc je vais vous mettre le nom là. Donc on est à cette petite île là qu'on est arrivé hier soir. Donc l'arrivée sous voile, ça c'est. Sous voile. L'arrivée au moteur, c'est super bien faite de nuit, aucun souci. Et là, on vous avait pas montré,
Mais regardez ce qu'on a trouvé hier dans l'eau. Donc on a trouvé ici, ce sont des nacres. Et regardez ça comme ça brille. C'est vraiment trop beau. Puis on a des petits morceaux. Hein. Ici, hop. Et là, le but, ça va être de leur donner une forme pour faire des petits pendentifs avec. Ça va être un petit projet sympathique qu'on va faire dans les prochains jours. Regardez ça, comme c'est super calme aujourd'hui. Donc on a le petit phare qui est là-bas. Et devant nous, on a un joli petit banc de sable. Il doit y avoir plein de coquillages dessus. Donc j'ai hâte d'aller explorer ça tout à l'heure. Oh, celui-là il est beau. Oh, il est même transparent. Elle est contente, elle est contente. Oh, le pied. Oh, c'était beau ça. Donc là, j'ai fait une super session de kayak. Quand je partais avec la 12 mètres. Quand même une grosse voile pour du temps léger, pour 13 nœuds environ. Et là, le vent est monté. Et en fait, après, ça fait que j'étais surtoilée. C'est comme en bateau quand on a la voile complète alors qu'il faudrait qu'on ait trois rilles. Et là, j'étais comme, oh, ok. Et puis là, j'étais arrivée au bateau. J'étais comme, ok, Joe, filme-moi. Et parce que je savais que j'allais faire des gros sauts. J'avais même pas besoin de forcer. Quand c'est comme ça, t'as pas besoin de forcer. Tu tires sur ta barre et tu décolles. Et là, je suis montée. Et je pense que je suis jamais montée aussi haut de ma vie. Et là, il y a une rafale qui m'a fait partir vers l'avant. Et là, ça m'a surprise. Donc, j'ai perdu mon équilibre. Et d'où le splash. Et voilà. Et je me suis pas fait mal. Pas du tout. Donc, c'est ça. Mais c'est des conditions vraiment le fun. Comme ça, quand tu peux essayer de sauter, tu peux t'amuser. Mais à la fin, c'était dangereux parce que c'était trop fort le vent pour moi. Mais là, ça va. J'ai mal partout, mais ça va. La récupérer, la bête vient juste de mourir, mais du coup, il est parfait, quoi. C'est que ça, c'est cool. Je suis dans l'axe, j'ai une jolie tourterelle sous les yeux. Bah ouais, c'est rare. C'est pas du tout un oiseau marin. Oula. Donc on quitte déjà ce beau petit mouillage parce qu'on n'est pas allé plonger, mais au moins on a fait du kite, on a trouvé des beaux coquillages. Bah donc vu que le poisson a tout défoncé, y compris le banning plus les mérillons, donc j'ai refait un banning doublé et j'ai réinstallé un émerillon à roulement. Donc c'est plus important les émerillons à roulement comme ça, ils peuvent tourner librement et ça, peu importe la tension, ils arriveront toujours à tourner, parce que ça bille. Alors que les émerillons avec qui sont encastrés dans une pièce et qui tournent des deux côtés, en général plus il y a de tension et moins ils arrivent à tourner. Donc c'est pour éviter la torsion sur le fil si c'est vraiment des très gros poissons. Ça m'explique qu'on avait un petit échappé chat avec lui ? Oui. C'est le rapala ça, non ? Le ton jaune, ouais. Le vent est tombé, donc on a pu faire la moitié à la voile, puis là on fait la moitié au moteur. Mais de toute façon, c'était juste 10 000 qu'on avait à faire. J'aime ça, venir m'asseoir ici sur le tour en hauteur et observer la mer. Parce que c'est tellement beau la mer. Et le plus qu'on la regarde, le plus qu'on a de chance de voir des requins, baleines, de voir des dauphins, de voir des tortues. C'est apaisant. Cette île, qui était notre destination initiale, était trop touristique à notre goût. Nous décidons de continuer notre route plus aussi. Mais une fois arrivé, le vent qui était à 0 nœuds monte à 20 et 25 nœuds. La mer se lève et le mouillage n'est plus du tout protégé. On remonte l'ancre et on fait demi-tour. Et juste avec le génois, nous sommes déjà à plus de 6 nœuds de vitesse. Allez, c'est cool! Et là on marche sur cette plage à la découverte des environs. Ça a l'air assez désert, il n'y a aucun touriste.
Il y a juste le jet ski et c'est tout, mais sinon peut-être qu'ils sont juste pas encore arrivés, ça fait un peu désert. Quelques personnes, mais c'est entouré de bâches et tout. Je n'ai rien dit, mes touristes sont arrivés après pour bien profiter de cette belle île. Donc là, il y a un bon petit vent qui souffle. Moi, je vais faire du kite pendant que les gars ils vont aller plonger un peu. Ils vont aussi nous ramener le repas de ce soir. Du moins, on espère. Donc, parce que quand il y a du vent, j'ai du mal à résister à l'appel du vent pour aller faire de la glisse. T'amuses bien? Ça, c'est vraiment trop le fun. Il y a un vent parfait. J'ai essayé un nouveau truc. Il y a le truc qui peut lever les jambes. Regarde, je te montre. C'est quand? Imagine que je vole dans les airs. Ouais. La main dans l'eau et la vole comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne pour moi sur l'eau. Let's go. I'm gonna shake it till you can't no more. So high, just so low. I'll take you anywhere you wanna go. I'm out of my mind, out of control. You got the spin, now I gotta love. Et là, donc, c'est direction Dar es Salaam, qui est la ville la plus importante de Tanzanie. La capitale, c'est Dodoma, qui se situe à quelques centaines de kilomètres plus au milieu des terres. Mais Dodoma a 2 millions d'habitants et Dar es Salaam en a 4 millions. On vient de voir une baleine à bosse sauter à 200 mètres devant le bateau. C'était juste incroyable. Là. Malheureusement, la baleine n'a pas ressauté. On est resté 15 minutes à l'avant avec nos appareils photo et notre caméra pour être sûr de pouvoir vous la capter. Mais en fait, non, on l'a appelée Doris. Doris a voulu rester dans les profondeurs. Mais là, c'est bon signe qu'elle soit remontée. Qu'on ça les voit ici. Doris, c'est le petit poisson bleu qui imite la baleine. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai appelé Doris parce qu'on s'est mis à chanter comme la baleine. Mais donc, on s'est dit, on va l'appeler Doris. Et mais c'est bon signe parce que si les baleines sont déjà ici, c'est-à-dire qu'elles remontent du sud pour revenir mettre bas dans les eaux plus chaudes et qu'après elles redescendent. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de chance de voir beaucoup de baleines à partir de maintenant en descendant tout le long du canal du Mozambique. Donc ça va être super excitant. Je suis sûre qu'on va pouvoir faire des super reportages et peut-être même aller nager avec les baleines. En tout cas, ça va être c'est génial. On est encore à 6 nœuds 5 quoi. Il y en a, sûr. Hein. Il va y avoir des rafales à 23-24. Là, on arrive vraiment proche de Dar es Salaam. Ça bouge un peu moins du coup parce qu'on est plus dans le chenal entre les petites îles. Mais il y a un gros grain qui arrive là-bas. Ouais. Et là, c'est phase. Donc, on va probablement mettre le moteur pour finir et descendre les voiles avant que le gros grain arrive sur nous. Il y a une petite île. J'ai déjà au moins 20-25 nœuds de vent. Donc, plus le grain, on va éviter. Ça peut monter à 40-45 nœuds. Mais je suis vrai, il m'a dit que c'était. On avait remarqué que c'était 15 de plus dans les grains. Oui, mais là, je sais pas, ça on n'a jamais pris ici. Là. On ne sait pas. Voilà. Ok. Alors là, on a rangé les voiles, le grain arrive, c'est bien gris, et ça va nettoyer le bateau. Il y a pas mal de pluie qui arrive. Du pain sur la planche nous attend dans cette grande ville. Mais avant ça, on savoure les cadeaux que la mer nous a offerts. Des beaux mouillages, des coquillages splendides, des baleines inattendues, des sessions de kite et du bon vent. Ça vaut bien un très gros poisson. Direction le waterfront. C'est on va aller dire au revoir à Jean-David qui s'en va. Here we are back in a hard place.
trying to figure out what we can eat. Pour le dernier repas avec Jean-David. Oui. On en profite. J'ai faim. Enfin, il n'y a rien mangé à midi. Puis là, ce qu'il fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il ziote les desserts qui sont là-bas. Alors, ça t'en goûte, ce truc-là ? Ah bon ? Qu'en penses-toi ? Je m'attendais à un truc un Qu'en penses-toi ? Très bon, en fait. Je vais en prendre un petit deuxième. C'est vrai que c'est petit quand même à se partager. Moi, j'en branche juste une ou deux et je vais terminer. Au revoir. Bye, Jean-David. Salut. Allez, rentre bien. Une petite page qui se tourne, mais nous ne l'oublierons pas, ce genre d'avis. Un gros merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et on vous invite à venir regarder cette vidéo-là au-dessus. Celle de Oussambaras et d'un des derniers parcs qu'on a fait, qui est l'une de nos plus belles en Tanzanie, je pense, où on montre beaucoup la culture et beaucoup de paysages tanzaniens. Voilà. C'est vraiment à voir si vous ne l'avez pas vu. Donc sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Bye.